Pour la petite roche, faut pas se tromper là, non? Oui, il y a beaucoup de roches. Ma veito mane malu malu ana anom nevai mal hera hera ina no man ko lera tan me hero aule ken man tina no mal tamo ye pane kuria man hera kompo geito ho kunene pole ken inala mal lo me maham kom pag kune kale inala mal lo ken kune pohere maruana tom upone iya maske here iran na mene mene ataisin kumaka eito pona top mal takuye man kumaka mal mahaman kumaka yao ene giam komak pala tom iro mot pitom kato pona tom man kumaka maske wayana tom nekala hapon kapahere ukanere ken upak itu tau kuito pon pikom pak tuale eitohme. Je suis artiste peintre muraliste, principalement en milieu urbain depuis une quinzaine d'années. Quand je peins une fresque, d'un premier temps, ce sont les esquisses qui structurent l'espace. Progressivement, je me sens gagné par le mur. C'est comme s'il s'emparait de moi. J'éprouve comme un sentiment de plénitude, quand mon pinceau recouvre les esquisses. Et au bout d'un moment, je me sens comme en immersion, comme dans un océan de couleurs. Je me sens un petit peu comme un petit élément, encore plus quand je suis sur une nacelle. J'ai l'impression d'être suspendu dans le ciel, c'est vraiment agréable. Et là, je reviens sur le Haut Maroni, 18 ans après. J'avais passé 8 mois en tant qu'enseignant. J'y reviens, les pinceaux à la main, pour peindre une fresque à deux. Beaucoup, beaucoup d'émotions. Voilà, regarde. Ça, c'est du rouge. Ouais. Bah, je pense. Bah, ça, c'est notre mur, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. C'est plus ou moins la longueur du mur. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben. Alors, après, moi, ce que je veux éviter, c'est d'avoir un côté Minestelli, un côté Jean-Baptiste. Mm-hmm. Ça serait l'idée, c'est un petit peu de mélanger quand même nos différents styles. Moi, je veux bien que je fasse mon milieu, que je dessine. Vas-y. Là, je dessine un cercle, un ciel de case au milieu. D'accord. On voit que tu l'as dessiné plein de fois. Hein. Ouais. Tu connais par cœur. Hein. Ouais. Ça commence à être pas mal. Ouais. Et maintenant, il va falloir peindre tout ça. Hein. Voilà. C'est notre paire de manches. Hein. Tu vois les couleurs, Jean-Baptiste? Ah oui, c'est vrai, ouais. Je commence à voir de l'argile verte. Oui, c'est du vert. D'accord. Ça, je pensais pas qu'on allait les trouver aussi vite. Hein. Oui, quand c'est la saison sèche, là, on peut facilement trouver. Ah ouais, punaise, magnifique. Le Venkirita Manim, Natal, et Guyanpo. Parce que, au pire, il y a un malouan en tombant, non, au pire.
Voilà, tu vois l'imprimante, tu as l'imprimante vert, tu vois l'imprimante blanc, rouge, orange. Jean-Baptiste, est-ce que tu veux essayer le pigment naturel, comment ça travaille? Oui. Depuis tout à l'heure, je ne rêve que de ça, mais je n'osais pas te le demander. Tu vas peindre l'esprit de l'eau, on appelle Moulokot. Et je veux bien que tu testes mon pigment naturel. Bon, c'est pas si facile, hein. C'est très agréable. Moi, je trouve que justement toute la longueur du mur nous permet de raconter quelque chose. Et c'était bien ce que tu avais dit tout à l'heure. Tu voulais qu'on raconte quelque chose. C'est un peu comme un astre, en fait. Oui. Hein, c'est ça au centre de la composition. Quoi, ça? Ça, c'est le tamal noir. Comment est-ce qu'on pourrait faire un petit peu? Qu'est-ce qu'on pourrait représenter en bas et en haut? Je verrais bien l'esprit de l'eau, là. Le Moulokot sur la fresque. Ce serait un des personnages, une des représentations qui pourrait apparaître sur la fresque. Ouais. Parce que je le trouve qu'il est très graphique. Par contre, il me manque son histoire. Ouais, lui, il y a plein d'histoires. Parce que chez nous, il y a beaucoup d'esprits de l'eau, comme on dit, des poissons mythiques. Parce que moi, je ne peux pas me faire un peu de temps. Je ne peux pas me faire un peu de temps. Parce que je ne peux pas me faire un peu de temps. Moi, je suis pour Enene, je suis pour Kunma, je suis pour Kunma, je suis pour Kunma, je suis pour Kunma, je suis pour Kunma. Je suis pour Kunma, 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 je suis contable que tu es. Pour nous apporter au Amérique latine, nous avons une clé de la popo. 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 Nous avons Kuni mamu ini koli potong puna tuli. Pepta sindlak. Ikut pepta. Ini kau pekuna tuli. Ipo. Ipo muloko. Tahan tomong pekuna tuli. Et donc les enfants, pourquoi est-ce que nous sommes là ici? Eh bien, on est là pour peindre ensemble une fresque avec moi. Et avec Minestelli qui est ici avec nous. À tout à l'heure, maîtresse. Mokki. Mouriku. Il me faut une deuxième personne sur le verre. Moi. Ça marche. Rappelle-moi ton prénom. Bart. La peinture.
peinture. Quand je dis tirer, c'est aplatir le plus possible. D'accord? Oula, regarde, t'as dépassé. On commence à sortir des grandes masses pour commencer à s'intéresser aux détails. Ce qui est plutôt un signe d'avancement, on va dire. Mais on n'est pas encore au bout de nos peines. Non, la perception du temps, moi j'ai l'impression qu'on est à la bourre et Minès, il dit qu'on est en avance, que ça s'écoule. Ça, c'est un peu toute la différence entre un Européen stressé et un Amérindien un peu rastafarien. Faut pas se paniquer. Mais mon esprit dit que je vais finir. Minès, ça se gâte. Va falloir arrêter de peindre là. Hein. Quand j'ai commencé ce projet il y a une dizaine de jours avec Minestelli, je ne savais pas très bien ce que j'allais faire. Tout ce que je savais, c'est que je voulais vraiment imbriquer deux mondes, mon monde issu de l'art urbain et son monde issu de l'art Wayana. Mais je voulais faire les choses un petit peu à part égale. Et au final, quand je regarde cette fresque, ce que je me dis, c'est que la part Wayana a très nettement prédominé. Et ce choix, en fait, je l'ai fait parce que peu à peu, j'ai été gagné par le goût, par la recherche en fait, de l'iconographie d'ici. Je me suis vraiment pris de passion pour l'art amérindien, pour l'art Wayana en particulier. Super, c'est le plus beau fresque de Dante Compata. La première fresque du Haut de Maroni, fait par les professionnels, c'est ça. C'est beau.